Comment obtenir absolument tout ce que vous désirez dans la vie, dans le business, dans toutes les choses qui comptent absolument pour vous? C'est une promesse folle, mais dans cette vidéo, c'est la question à laquelle nous allons répondre en vous partageant trois verbes à conjuguer dans l'ordre. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces trois verbes à conjuguer dans l'ordre pour pouvoir obtenir d'excellents résultats, obtenir ce que vous désirez dans la vie, dans le business et dans les affaires. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'y être ici, passé, invité. J'y partage régulièrement des conseils et des stratégies pour vous aider à développer votre business, votre vie à tout niveau. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner et ensuite juste après d'appuyer sur la cloche pour être informé des prochains partages. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Et pour ne rien manquer, faites-le maintenant, le bouton rouge s'abonner et la cloche qui apparaîtra juste après. Si vous suivez cette vidéo, vous avez probablement des projets ambitieux. Vous voulez vivre une vie haute en couleur, comme j'aime beaucoup dire, parce que vous avez au fond de vous, vous savez au fond de vous que vous méritez mieux, vous méritez plus, vous méritez des choses différentes de la vie. Seulement voilà, quand on est ici, on n'est plus l'enfant, on grandit, on garde cet enfant en nous, mais on devient adulte avec la carapace physique. On se rend compte que dans la vie, il y a des choses que l'on veut, que l'on désire, mais que l'on n'obtient pas forcément aussi facilement. C'est peut-être ce projet, cette situation financière que vous voulez améliorer. Vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez plus maintenir l'argent que vous gagnez, vous voulez mieux investir votre argent. Ou c'est peut-être changer de métier, d'activité, de profession, faire quelque chose qui est important pour vous, qui vous touche au plus profond de vous-même. Ou c'est d'enfin développer ce business, cette affaire dans laquelle vous êtes ici, qui prend du temps avant d'avancer, avant de prendre simplement un vrai élan. Ou peut-être même simplement de vous lancer en affaire, de changer de vie, de changer de projet et de réussir à devenir quelqu'un qui se sent bien à l'intérieur d'elle-même, mais qui crée un vrai impact et qui est payé en contrepartie de toute la valeur qu'elle apporte. Bref, quelles que soient les choses que vous voulez aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager ces trois verbes à conjuguer, surtout dans cet ordre-ci, là, que je vais vous partager pour pouvoir les obtenir. Alors, je fais une parenthèse importante. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est très stratégique, c'est très prosé et vous allez voir que ces trois verbes, lorsque je dis qu'il faut les conjuguer dans cet ordre, j'insiste, ce n'est pas une formule magique, hein, tel dit comme ça, non, mais c'est-à-dire que vous allez comprendre la profondeur de ce que je vais vous partager. Lorsque vous comprenez la profondeur de cet enseignement, vous allez pouvoir l'appliquer dans votre business, dans votre vie et obtenir vraiment, vraiment ce que vous désirez dans la vie. Tenez-vous bien et notez bien et prenez le temps d'être ouvert à cette grande idée. Apprenez à comprendre comment les entrepreneurs, les personnes passionnées de liberté autour de vous qui ont les plus grandes réussites, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Comment est-ce qu'elles obtiennent ou comment elles deviennent ou comment elles font pour vivre une vie inspirante? Elles n'ont pas tout qui est parfait. Elles n'ont pas le caractère parfait ou la santé parfaite absolument à tous les niveaux ou l'énergie parfaite du matin au soir. Elles travaillent d'une façon à les maintenir et à les propulser de l'avant et surtout, elles obtiennent ce qu'elles veulent. Vous devez déjà comprendre une chose. Pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être parfait dans tout. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dans tout. Parce que si vous êtes très heureux et que vous obtenez ce que vous désirez dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, dans différentes sphères de votre vie, mais que vous n'êtes pas par exemple le plus doué dans telle matière ou dans telle discipline, vous n'êtes pas le plus parfait dans ça, c'est pas grave. Il faut pouvoir déjà identifier les éléments qui vous rendent épanoui, heureux. Si c'est votre business, la croissance, le développement, mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a cette liberté qui l'accompagne, il y a tout ce que vous allez faire. Donc, comment faire pour obtenir tout ça? La première des choses, et c'est une erreur que l'on fait, c'est de commencer toujours à vouloir obtenir les choses. Je veux, donc c'est vrai, c'est le sujet de cette vidéo, mais je veux donc je fais tout pour avoir. Je veux plus d'argent. Je veux trouver la personne qui partagera. Je veux trouver la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Je veux une grande maison, une grande voiture. Je veux pouvoir voyager. Je veux pouvoir vendre beaucoup. Je veux pouvoir augmenter mes profits, augmenter mon business. Ok, ça c'est un verbe. Mais ce verbe viendra plus tard. Ce verbe, il faut le conjuguer après. Dans l'ordre, c'est quoi? Être, faire et avoir. Voilà le secret, le grand secret. Être, faire et avoir. Vous devez comprendre, pour obtenir ce qu'ils obtiennent, les entrepreneurs les plus prospères, les leaders les plus inspirants font certaines choses pour pouvoir les obtenir. Et pour pouvoir faire ces choses-là, de cette manière-là, ils deviennent quelqu'un.
ils deviennent cette personne qu'ils sont déjà en réalité. Au fond de vous, vous avez un génie, comme j'aime dire, vous avez un entrepreneur, quelqu'un de talent qui doit pouvoir se révéler. Et lorsqu'il se révèle, vous allez faire des choses d'une façon différente probablement que celle que vous faites aujourd'hui. Et donc, en conséquence, vous obtiendrez des choses qui sont différentes que celles que vous obtenez actuellement. Ça paraît simple, c'est pas simpliste. Trois verbes dans cet ordre. Et la plupart des gens, par exemple, commencent par faire. On va faire plusieurs choses. Je suis entrepreneur, je suis très actif. Je suis du matin au soir en train de donner des coups de fil. Je suis en train de rentrer en relation avec des partenaires. Je suis sur mon site internet. Je travaille tel ou tel projet. Oui, je fais, je travaille. Oui, pour avoir. Mais il manque quelque chose de très important. L'être. Comment êtes-vous? Comment devenez-vous? Quelle est cette chose que vous développez en l'intérieur de vous? Et une fois de plus, ce n'est pas de l'ésotérisme pour parler d'ésotérisme, non. C'est très rationnel, très stratégique. Si vous l'utilisez avec la raison et que vous le mettez en forme dans votre vie au quotidien pour développer un vrai business ou un vrai projet de vie, vous allez voir cette différence. Je vous prends un exemple. L'entrepreneur le plus prospère, on peut prendre les entrepreneurs les plus riches du monde, les milliardaires, les millionnaires, peu importe, en termes de finances, si vous voulez revenir sur un aspect très rationnel et même pécunier, qui parle d'argent. Donc là, on est dans cet aspect-là. Regardez. Pour pouvoir faire ça, qu'est-ce que cette personne est devenue? Pour obtenir ça, qu'est-ce qu'elle est devenue? Il faut augmenter sa psychologie. Imaginez-vous être à la tête de plusieurs millions, plusieurs milliards. La psychologie qu'il faut pour ne pas tout faire tomber, pour ne pas tout dépenser, pour ne pas tout brûler. La psychologie qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Le mental qu'il faut, la maîtrise d'émotions, la gestion du stress qu'il faut pour gérer des collaborateurs, faire prendre des décisions à plusieurs centaines, plusieurs milliers ou plusieurs millions d'euros. D'avoir cette capacité comme ça dans un moment de panique à garder la tête vraiment bien froide et de prendre ces décisions-là pour aller dans tel ou tel sens. Donc, il y a une vraie transformation qui se fait avec ce premier verbe à conjuguer, c'est cette personne qui devient. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes déjà cette personne au fond de vous, sauf que vous ne l'avez pas révélée. Parce que bien souvent, on ne croit pas, on n'a pas confiance en nous-mêmes, ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on se laisse aller avoir par des idées noires ou des idées mauvaises qui nous font croire qu'on a besoin de quelque chose à l'extérieur. Vous pouvez le travailler et traiter de l'intérieur. Allez chercher les éléments comme des conseils comme ceci ou autre qui vont vous permettre de le comprendre, mais toute la solution viendra à l'intérieur. Être, faire, avoir. Lorsque vous augmentez cet aspect de vous, vous commencez à faire certaines choses différentes de ce que vous faites aujourd'hui. Et vous allez suivre le chemin comme ça des personnes, ces entrepreneurs qui vous inspirent le plus pour finalement obtenir les choses qui vous inspirent le plus. Et j'ai la conviction que si vous suivez cette vidéo, c'est parce que vous savez au fond de vous que vous le méritez. Donnez-vous cette chance, créez-vous cette opportunité de pouvoir appliquer les choses dans cet ordre-là. Pour pas que la vidéo soit très longue, on s'arrête ici, mais on aurait pu creuser encore, être. Voilà, prenez cette liste, faites-le vous-même. Prenez qu'est-ce que je dois devenir, révélez tout ce qui est en vous de meilleur et faire. Ensuite, vous allez lister tout ce que vous devez faire pour votre business, pour votre projet, pour votre communication. Regardez là où ça coince et notez tout ce qu'il faut faire pour être meilleur. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir? Ce sera votre récompense parce que vous le méritez tant. Pour résumer cette vidéo, je vous ai partagé un conseil puissant pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, n'importe quel domaine, en utilisant ces trois verbes, en les conjuguant dans le bon ordre avec des stratégies qui sont très cartésiennes, très posées, bien sûr, j'insiste, parce que sinon, eh bien, vous n'allez pas les appliquer. Je veux que vous puissiez les appliquer quotidiennement en les conjuguant dans cet ordre-là, chaque jour, chaque matin, chaque soir, en vous disant qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je fais pour ça et qu'est-ce que j'obtiens comme ultime récompense. Ce que je viens de vous partager là fait partie d'un parcours de transformation qui est beaucoup plus grand et plus complet, dans lequel chaque entrepreneur passionné de liberté ou futur entrepreneur comme vous et moi traversons et nous passons les uns à la suite des autres ou tous en même temps, peu importe, pour pouvoir dépasser probablement la première barre des 100 000 euros, la première barre du premier million d'euros, ça c'est la récompense. Mais il y a, comme je vous ai dit avant, d'autres verbes qui sont à conjuguer avant dans le bon ordre. Et j'ai créé pour vous, j'ai réuni un document qui réunit plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale personnelle pour pouvoir vous montrer exactement quelles sont les routes, quelles sont les compétences, quelles sont les choses que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez être, qu'est-ce que vous devez avoir pour traverser ce parcours de transformation ALEC. J'appelle ça ALEC parce que c'est un acronyme en quatre lettres qui représente ces quatre phases, la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ensemble ici fait partie de la phase d'alignement dans laquelle tout repose, plus de 87% de votre réussite se basera sur cette grande alignement avec ces différentes sphères, avoir une clarté sur vous, sur votre business, sur votre marché, sur votre client, sur vos objets, sur vos produits,
projet, sur vos offres, sur tout ce qu'il y a, une clarification totale. Vous pouvez télécharger ce document gratuitement en cliquant sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou c'est indiqué dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant sur le pouce vers le haut comme ça. Ça prend 3 secondes. Le bouton est juste en dessous là, j'aime. Et puis, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez s'abonner. Et puis au bas de cette vidéo, dites-moi ici, qu'est-ce que cette vidéo a révélé chez vous? Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus pertinent? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer à la suite de cet enseignement stratégique? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre. Si vous avez d'autres idées, partagez-les moi et j'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès, d'amitié pour votre vie et de cette transformation en conjuguant tous les jours ces 3 verbes dans le bon ordre pour obtenir absolument ce que vous désirez et surtout ce que vous méritez. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci.